Aujourd'hui, je vais vous montrer deux astuces comment avoir un énorme IM. Donc, puis au trade avisé, là, vraiment qui est tout buggé, je vais vous montrer les gars comment avoir un IM qui est énorme. Donc les gars, je vais me rendre en mode créatif, mais avant, je vais donc vous montrer à quoi ça ressemble sans l'astuce numéro 1, numéro 2. Donc là que je vais vous montrer sans les techniques, astuce numéro 1, numéro 2. Évidemment, l'aide avisée est activée. Donc les gars, je vais vous montrer, donc voilà, on fait tout comme ça, on spam tout comme ça, voilà. Donc, on connaît tout ça, je pense les gars, enfin même, je pense même sûr. Donc les gars, maintenant, je vais vous montrer comment avoir un énorme shoot, donc que ça vise instant la personne. Donc ça veut dire, vous allez viser le ventre, on va dire, ça va vous viser tout de suite la tête, c'est vraiment le type les gars. Bon, après, parfois, ça ne visera pas non plus toute la tête. Donc les gars, vous allez vous rendre dans vos paramètres de jeu. Donc pour ça marche pour toutes les plateformes sauf PC, enfin en fait ça marche que pour les manettes. Donc si vous êtes sur PC mais vous avez la manette, c'est bon les gars, ça va marcher. C'est juste les claviers souris, ça ne marche pas. Donc les gars, vous êtes à vos paramètres. Donc multiplicateur de visée manette, vous allez mettre 45%. Donc pourquoi 45%? 45%, je vais vous le dire. Donc multiplicateur lunette manette, vous allez mettre 45%, pareil. Donc zone morte, la zone morte, stick de déplacement, vous allez mettre à 11%. Zone morte et stick d'observation, vous allez mettre les gars à 5%. Voilà, vous validez. Donc maintenant je vais en venir pourquoi tous ces changements. Alors donc pour la zone morte et de la manette et voilà la zone morte. Donc le fait la zone morte, celle qui est à 5%, ça consiste à avoir une précision vraiment énorme. Donc par exemple vous faites un geste brusque les gars sur votre joystick de droite, voilà juste ça va bouger immédiatement votre visée. Donc les gars, regardez, là je fais vraiment des tout petits gestes et regardez, mon personnage bouge toujours. En fait ça va permettre donc de l'aide à viser, de pouvoir continuer à suivre la personne pardon. Et bah comme ça vous fait un petit peu comme un genre d'aimbot, mais ce n'est pas un aimbot, je vous rassure. À quoi ça ressemble quand on vise? Donc les gars, là vous avez quelqu'un, donc voilà, ça rend ça les gars. Vous allez voir, c'est énorme. Donc regardez bien. Donc les gars, est-ce que vous avez vu? C'est vraiment pas mal. Donc là j'avais un peu un shoot de merde. Évidemment, faut aussi quand même. Il n'y a pas non plus que l'aide à viser qui a fait le boulot. Faut aussi bien viser. Enfin, faut aussi quand même suivre la personne. Mais les gars, donc même de loin, ça marche. Par contre, vraiment la technique, elle sert de près aussi. Mais de loin, les gars, je vous jure, par contre, ça me sert vraiment dans toutes mes games. Je vous jure les gars. Donc là, je vais vraiment me mettre loin. Les gars, il y a quelqu'un là. Donc regardez bien. Est-ce que je vais réussir à tuer avec la personne qui s'y balle? Je ne sais pas. Donc les gars, regardez bien. Donc les gars, vous avez vu comme c'est énorme. Donc là, avec une balle, les gars, je vais réussir à la toucher normalement la personne. Voilà. Je vous ai dit les gars, c'est énorme les gars, cette astuce. Donc voilà les gars, pour l'astuce numéro 1 les gars. Donc on commence les gars maintenant avec l'astuce numéro 2. Je pense tous les joueurs manettes, donc les personnes qui ont l'aide à viser, évidemment tout le monde le ferait au moins une fois sur Fortnite, donc de spam, vous savez, l'aide à la visée, de viser, déviser, viser, déviser. Donc ça, je vais vous montrer ça, voilà. Et en fait ça vise même pas la personne, en fait ça sert vraiment à rien, ça vise, mais vu que l'aide à viser était nerf, ça vise moins, regardez, hop. Voilà, c'est un peu, moi j'aime pas trop. Donc il y a tout le monde qui fait encore ça en 2020. Mais les gars, ne faites plus ça. Je vais vous montrer les gars cette astuce numéro 2. Maintenant, on va falloir la faire tout le temps les gars pour l'astuce numéro 2. Donc les gars, je vais mettre de loin. Donc au lieu de faire spammer comme ça viser, en fait vous allez faire tout doucement donc viser. Donc moi sur PK c'est aide, donc pour les joueurs Xbox ou les autres manettes, je sais pas c'est quoi. Donc bah vous allez mettre viser. Donc sur PS4 L2. Vous allez tirer donc R2. Donc voilà, donc ça va rendre déjà ça, vous savez tous faire ça. En fait, vous allez faire ça, mais tout le temps. En fait, au lieu de spammer comme ça et de tirer, comme ça, vous allez faire tout doucement comme ça. Regardez bien les gars. Bah voilà, regardez bien. En fait, ça va permettre les gars de viser, mais en fait de viser tout le temps la personne et de rater aucune balle. Mais vu que vous allez faire ça, bah, ça va permettre oui, de rater aucune balle. Et vraiment, ça sera en fait l'aide à viser d'avant, mais encore mieux qu'avant. Donc, allez, les gars,
Vous avez vu les gars, en plus les gars, si vous visez bien, ça vous visez vraiment les gars la tête instant. Bon les gars, j'ai plus de balles, donc dites-moi les gars, vous apportez quoi. Moi je vous jure les gars, j'ai fait ça depuis une semaine et demie maintenant. Je vous jure les gars, hein. Le premier jour, je pense, vous avez un tout petit peu galéré. Parce que, pas galéré, mais vous avez trouvé que ça sert un peu à rien. Vous allez voir les gars, après 2-3 jours, vous allez voir les gars, vous allez vraiment vous ressentir le changement. Mais vraiment le changement les gars, moi je le ressens, c'est énorme. Les gars, je vous remontre, regardez. Voilà. Voilà, hop. Je vais me mettre loin les gars, même de loin les gars, de très 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 loin ça marche. Je vais aller très très loin, vous allez voir les gars, ça marche. De loin, à quoi ça ressemble, donc les gars, préparez-vous. C'est vraiment d'énorme. Cette technique, la numéro 2 et 1, c'est vraiment pour vraiment, surtout, de viser très très loin. Mais de près, si ça marche, hein. Bon les gars, regardez bien. Vous avez vu les gars, ça vise vraiment la personne. Même si elle bouge, en fait, ça va tout le temps suivre la personne. Et voilà les gars, est-ce que vous avez vu les gars à quoi ça ressemble. Les gars, rendez-vous dimanche pour la fameuse test cam que je vous avais dit hier. Pour ceux qui avaient vu la vidéo, mon retour sur YouTube, j'avais dit j'allais la faire vendredi, mais malheureusement vendredi je suis pas là. Donc je la fais dimanche sans faute à 18h les gars, comme d'habitude. Donc les gars, moi je vous dis les gars, bye, j'espère que ça vous aidera cette technique. Dites-moi les gars des commentaires si ça vous a aidé. Moi j'avais vraiment envie de savoir si ça vous a aidé. Moi les gars, je vous dis hein, franchement, moi ça m'a vraiment aidé. Depuis j'ai vraiment un très 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 bon aim. Moi de base je n'ai pas un aim de foufou. Franchement, moi ça m'aide depuis maintenant. Bon bah les potes, moi je vous dis les gars, bye tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitch, mon Discord, tous les liens et la description. Voilà les potes, moi je vous dis bye.